Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Pauline, a.k.a. Tatapo, a.k.a. Tatapo sans pays. Souscrivez et likez et surtout n'hésitez pas à cliquer la cloche à côté pour ne pas rater mes notifications lorsque je mets une vidéo en ligne. Alors aujourd'hui, j'ai ce thé pour vous qui est vraiment brûlant. On va parler de Anita Mwarabu, Fally Ipupa, Gaz Mawete et Christy Lova. Oh, crrr. Merci à Miss Angala de m'avoir envoyé tous les captures d'écran sur cette affaire parce que je suis tellement occupée pour partir de gauche à droite. Vraiment, merci à Miss Angala. Alors, tout commence sur Instagram lorsque ma Anita Mwarabu décide de poster sur sa story une photo de Fally Ipupa et de Christy Lova. Et elle écrit sur la photo: la sorcellerie, c'est quand tu as plus de 10 ans de relations adultériennes avec un gars, mais tu l'aimes. Laisse ta copine porter ta croix en silence, puis tu fais la maligne. Bonne Saint-Valentin à ces couples, à ces très très vieux couples. Oh, crrr, oh my God, c'était chaud. Donc vous lisez là, Anita est en train de quoi? De confirmer que non, Christy Lova sort avec Fally Ipupa, you know, depuis 10 ans et elle est toujours, you know, Anita a toujours porté la croix parce que les gens insinuent que non, c'est Anita qui sortait avec Fally. Elle a décidé, Christy Lova a décidé de fermer sa bouche lorsque tout le monde est en train d'accuser Anita. Ok? Après ça, Christy Lova va répondre: gros LOL, mais cherche pas, tu me connais meuf, elle fait la bise. Et elle ne va pas s'arrêter là, elle va encore poster une autre screen. Après ça, Christy Lova va poster en lingala cette fois-ci, Koliana Mwasi, Koliana Ndoki, hashtag F. Cela veut dire manger avec une femme, c'est manger avec un sorcier ou une sorcière. Donc, c'est ce qu'elle a écrit. Et c'est pas tout, elle va continuer. Elle a posté une autre story pour dire: trop de dossiers, ce n'est que le début, point, point, point. Et ce n'était pas tout. Christy Lova maintenant va aussi dévoiler l'amour, le couple secret aussi de Anita Mwarabu sur sa story. Elle va afficher cette photo de Anita Mwarabu et Gaz Mawete pour dire: la sorcellerie, c'est quand tu n'assumes pas. Joyeux Saint-Valentin au couple Mwarabu-Wete. Alors, ce n'était pas aussi tout. Elle va continuer encore à poster d'autres choses que je vais vous montrer. Elle va poster cette photo de Kim et puis elle va dire: on a oublié de te prévenir de ma folie. Et en plus, elle va encore reposter une autre photo que Anita a pris avec Gaz Mawete. Elle écrit sur la photo: si tu veux jouer, on va jouer Sista. Alors, elle montre les doigts pour nous montrer les coupes Mwarabu-Wete. C'était chaud. Alors, les fans se demandaient des questions. Alors, il y a des fans qui sont partis sur Insta Story de Gaz pour demander qu'est-ce qui se passe parce que Gaz Mawete faisait le question-réponse là sur Instagram. Il y a une personne qui va demander à Gaz: salut Gaz, peux-tu savoir la réalité sur Christy et Anita? Et c'est vrai ce que je vois là. Et Gaz n'aura pas du tout la réponse, quoi. Donc, il va dire: non, non, je ne sais pas ce qui se passe, ok? Moi aussi, je fermerais ma bouche si j'étais Gaz, ok? Parce que ça, ce sont des accusations vraiment graves que Anita a révélées sur Fally Ipupa, ok? Après avoir posté tout ça sur sa story, Anita a décidé de tout effacer, comme si elle n'a jamais fait des accusations pareilles sur Fally Ipupa. Ok, il y a des filles comme ça, post and delete, post and delete. Oh, la nuit porte conseil. Anita est venue ce matin pour dire ceci. Que dire? Christy, une sœur, une amie, et c'est nul de l'avoir exposée comme ça. Bref, Christy, même si on reste en froid, je m'excuse pour cette affiche ridicule au fond de mon cœur. À vouloir t'atteindre, j'ai indirectement affiché aussi mon vieux Fally. Sur ces coups-là, j'avoue que c'était pas du tout nécessaire et je lui présente aussi mes excuses. S'il te plaît, ma soeur, si tu lis ces messages, viens, on va régler ça en privé. Elle met un petit cœur. Mais Anita, il fallait penser à ça. Parce que tu ne sais pas ce que Nana a fait à Fally Ipupa cette nuit-là. Tu ne sais pas. Alors, pour sa part,
Christy Love va écrire aussi, effectivement, c'était too much de ma part et celle d'Anita. Mais tout ce que je peux dire, c'est désolé à Gaz pour cette exposition inutile et merci pour ta sagesse. Peace. Les filles ici, vous êtes vraiment terribles. Alors moi, je vais dire d'abord que non, pour ce qui concerne cette histoire, Gaz Maweti est célibataire, ok? Même si on a affiché Gaz avec Anita, il est célibataire, ok? Donc c'est normal. Déjà, parce que si un homme n'a jamais réclamé une femme publiquement ou faire un mariage, donc c'était ok. Mais toi, Anita, je ne sais pas quel est vraiment qu'est-ce qui est en train de te pousser de faire tout ça là, parce que je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu trouves ça nécessaire d'exposer un homme marié publiquement, quelqu'un qui a son foyer. Si sa femme là ne l'a jamais attrapé main dans la sac avec Christy Love, pourquoi est-ce que tu as vu ça nécessaire à toi d'exposer ça? Si tu as protégé ta soi-disant meilleure amie pendant ces 10 ans sans avoir sorti les secrets, pourquoi est-ce que tu vas exposer ton amie maintenant? Maintenant, je trouve que non, c'est un peu quelque chose de bizarre qui se passe. Parce que vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo sur Anita Mouarabou et sa relation avec Fally. Beaucoup de fans de Fally, beaucoup de fans de Anita sont venus m'insulter ici. Ce qui n'est pas un problème. Mais vous-même, vous avez lu sur les captures d'écran comment est-ce que cette fille est en train vraiment de provoquer une dame qui est dans son couple. Nous tous, on sait que non, les musiciens là ne sont pas fidèles, ok? On sait que non, Nana, c'est ça. Nana, c'est que son mari le manioc là, le bangala de son mari, c'est gauche à droite. Elle connaît tout ça là, ok? Mais ça, on voit que non, c'est cette fille est en train indirectement de provoquer Nana pour que Nana, ah mais c'est comme si elle veut que Nana se fâche, parce que la dernière fois, elle s'est excusée à Nana. J'ai mis ça sur la vidéo. Mais cette fois-ci, elle a décidé maintenant de quoi? De faire semblant de demander à Fally et Poupa pardon. Mais normalement, lorsque tu t'excuses comme ça, Anita, tu devais aussi s'excuser envers Nana. Parce que lorsque toi, tu jettes des accusations là dehors, du genre que non, la fille ici, Christy Love, a une relation de 10 ans avec Fally. Waouh! Ok, publiquement comme ça. Tu trouves que non, sa femme à la maison était ok? Tu trouves que non, ils ont dormi ces jours-là en paix? Je ne les trouve pas. Ok? Attends que Nana elle-même attrape son mari. Attends que Nana elle-même découvre les infidélités de son mari. Pourquoi est-ce que Anita, tu es en train de quoi? De vouloir que non, Nana sache que non, Fally est en train d'avoir de quoi? D'autres femmes dehors. Peut-être que non, elle sait déjà elle-même, elle accepte de vivre avec ça. C'est pas facile, mais peut-être vous avez beaucoup de femmes africaines pour leurs enfants et seront capables d'accepter tout toutes les conditions. Et aussi, lorsque un homme a un peu de moyens comme Fally, ok? Donc, moi, parce que la fois passée, si vous vous rappelez, elle a dit que non, à Nana, que non, tu es toujours là, ton mari est en train de chanter, quelque chose comme ça. Si vous voulez voir tout, il y a la vidéo que j'avais fait là, j'ai mis les captures d'écran de ce qu'elle avait écrit sur Nana Ketchup. Et là, elle vient aujourd'hui exposer une autre fille qui sort avec Fally pendant 10 ans. Donc, les fans de Fally, avant de venir se jeter sur moi, pardon, il faut d'abord partir voir Anita là-bas. Qu'est-ce qu'elle a effacé tout ça sur sa story, mais je trouve que non, c'était vraiment, lorsque tu affiches un homme marié comme ça, et surtout toi-même, on t'a déjà quoi soupçonné pendant plusieurs longtemps avec une relation pareille avec Fally Ipupa. Pourquoi est-ce que maintenant tu es en train de dénoncer d'autres Chiza? Qui t'a nommé détective pour exposer? Si tu as déjà supporté ça pendant 10 ans, tu as gardé secret, pourquoi maintenant? Alors dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de tout ça là. Vous croyez que non, les filles ici ont en train de jouer un jeu où elles veulent juste que Nana sache que non, Fally est en couple et tout avec une autre fille? Dites-moi en bas, n'hésitez pas à souscrire la quête et merci encore à Miss Angala pour cette histoire. Je vous souhaite bonne journée à tous. Bisous, bisous. Bye.